Et bonjour à tous les amis, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne The Adventures pour une nouvelle exploration d'une vieille bâtisse abandonnée. Là, je me suis infiltré déjà après de longues minutes à travers des arbres encore pleins d'épines. En ce moment, j'arrête pas. Donc là, vous pouvez le voir, je pense que ça fait partie du vieux moulin. Il y a la roue à aube en dessous. Bon, c'est tout effondré, donc on va pas y aller. Donc ça se trouve derrière nous. Mais avant tout, n'oubliez pas de commenter, de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. Et de me suivre sur Instagram pour voir toutes mes aventures en making of. C'est parti les amis, go la bâtisse. C'est les amis, on est enfin arrivé à pénétrer l'intérieur après un long périple à travers les broussailles, les ronces, ça pique, ah, je vous le dis moi. Bon, c'est parti pour cette petite expo. Vieille bâtisse abandonnée depuis de nombreuses années, bon, elle a l'air vide, mais j'ai vu qu'il y avait des pleins murs plafonds, donc on va l'observer tout ça, c'est parti. Donc là j'ai une belle arche, vraiment une très, très jolie arche, et là j'ai vu que je pense que c'est pour y mettre. Waouh, ah ouais, regardez ça, impressionnant, ça devait être une petite chapelle ici. Regardez l'ange. Incroyable. Très très joli, c'est peut-être la plus belle pièce. Les armoiries, je pense. Avec le soleil. Magnifique. Magnifique. Bon, il reste du mobilier. Un meuble de chaise. On va voir là-bas. Je pense que c'était une petite chapelle. Vous me direz dans les commentaires. Je sais pas, c'est bizarre, ça me paraît, il y a des anges à tous les coins, à tous les plis de colonne, c'est bizarre. Il y a des symboles, à vous de me décrypter. Regardez, une croix, une toge, on dirait, là, je sais pas ce que c'est. Là, on dirait... Il y a des trucs, je sais pas du tout ce que c'est. Vous me direz dans les commentaires, ceux qui savent, ça m'intéresse cette histoire-là. Alors, j'ai pas d'histoire non plus de ce lieu, mais ça a l'air bien cool. On va diriger là. Là. C'est vraiment pas mal ce petit lieu. Pas très grand, je pense, 2-3 étages, mais qui a l'air quand même historiquement riche et dommage qu'il n'y ait pas meublé, encore une fois. Mais bon. Là, j'étais sur la route pour aller voir un spot et je me suis dit, putain, ça a l'air abandonné ça, ces petites bâtisses là. Je dis, allez, on y va, on va s'infiltrer et on y est. Ah, petit conseil. Ici. Oh, peut-être qu'il y a une cave. Oh, oh. Non. Ah, dommage. Dommage qu'il n'y a pas de cave. Ah, peut-être qu'ici, muré. Non, possible. Là aussi, belle moulure au plafond. Waouh. Quand ça l'avait, ça l'a vécu. Je m'ébahis toujours de peu de choses parce que, après, je sais que c'est difficile à retranscrire ce que nous on vit en tant qu'explorateur. Mais j'espère que j'y arrive le mieux possible, on va dire, à vous retranscrire ce que je ressens moi quand je rentre dans un lieu abandonné. J'essaie de voir ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y avait avant. Je sais que c'est pas évident. Oh, petit message. Oh la cage d'escalier. Regardez-moi cette cage d'escalier. C'est une moulure au plafond. C'est dingue. On va monter comme ça pour voir. Super joli. À mon avis, c'est la partie appelée le château. Waouh! Regardez ça. Tout le long. C'est juste ouf. Bon, ça fait longtemps qu'il n'y a pas de mouche. Oh, c'est creepy. Presque ce genre d'explo, il faudrait que je fasse de nuit en fait, pour que ça rentre plus mieux.
Je vais essayer. Bah, il n'y a pas plus doucement parce que j'ai tendance à aller un peu vite. On va essayer de faire ça smooth. Oh, les vieux lits, putain, ça c'est vieux lits, ça. Incroyable. Petite pièce là-bas. Bon, je pense pas que ce soit très fourni, mais. Regardez la fontaine d'or. Et une maison juste à côté. C'est même pas en français. C'est en allemand, on dirait. Ouais, c'est de l'allemand. Il n'y a pas d'année. 1,20€, 2006. On a une année 2006. Oh. Ah ouais, ça a morflé. C'est bien creepy. Escalier, ok. Ouf, voilà, regardez ça aussi. Magnifique. Cette cage d'escalier, elle est sublime. Oh, il y a un peu de passage. Oh, oui. Regardez les ruines d'or. Moi, je vais arriver par là-bas dans les broussailles. Vraiment, je parle doucement, je ne sais pas pourquoi, parce que je pense que personne ne m'entendra. Ah, petite pièce, ok. Ah, c'est vraiment une petite expo sympathique, mais sans plus. Jeter les tuiles en haut, possible. Oh là là. Magnifique escalier. Ouais, on va monter ça tranquille. Dernier étage, là, ça commence à être un peu dégradé. Ça va pas tarder. Viens, au revoir. Oh, j'aime ça quand c'est comme ça. Ouf, oh, c'est creepy là. Oh là là. Regardez cette ambiance là. Ça sent pion, Lyon. Qu'est-ce qu'il y a là? Ça va être un toilette. Petit stockage, j'aurais cru un toilette. Bah, elle a vite fait le tour, je pensais que c'était plus grand en fait. J'ai rêvé. Ouais, la maison, elle est habitée là, regardez, juste là. Donc pour faire une enquête de nuit, ça me paraît compliqué si je voulais faire une enquête de nuit. Encore les vieux lits comme ça. Vieille tapisserie. Ouais, ça va, ça va faire, mais sans plus. Allez, la petite pièce. Oh, grande pièce. Oh, ouvert au cas. Oh là là. Oh putain, l'état! Ça sent bon, heureusement ça a été ventilé. Voilà, moi je viens de la broussaille là-bas, là. J'ai fait tout le tour là. Me dis pas. Il y a un petit bassin là. Qu'est-ce que c'est ça?
Bon, les vieux transforment. Et ce, c'est avec des vieilles. Bon, les vieilles lampes. Ben voilà, on a fait le tour vite fait. Bon, bah, ben, les amis, hein, petite explo, je pense, terminée. Ça a été très rapide. Mais ça reste sympa, en fait. C'est les aléas. En fait, quand on part faire des spots, là, dites-vous que je suis au cinquième spot fail. En fait, fermé ou pas abandonné du tout. Voilà, donc c'est des repérages et des checks qu'on fait, donc après on va voir, on regarde, on analyse, fermé, c'est quand même occupé, même si c'est fermé, il y a l'entretien du jardin, donc rien que ça, c'est même pas la peine, ça veut dire que c'est pas la peine, faut pas entrer, c'est non plus interdit. Enfin bref les amis, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Semaine prochaine je vais tourner du lourd en théorie, donc je croise les doigts. Bonne vidéo à tous, j'espère que ça vous a plu. Pensez à mettre un gros pouce bleu, à liker, à commenter et à partager au maximum autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.